Venu de Chicago, Benny Goodman, qui se faisait appeler le Roi du Swing, a été celui qui a aidé cette musique à être aimée de tous. C'est le premier qui a joué du jazz à Carnegie Hall en 1938. Tu te rappelles du jour où les Beatles ont été décorés par la reine d'Angleterre à Londres? À partir de ce jour, les cheveux longs ont été autorisés en Angleterre. Cela a été bien avant la même chose pour Benny Goodman. À partir du moment où il a joué dans la plus grande salle de concert de New York, sa musique est devenue populaire et appréciée de tous. Je te cite quelques noms bien connus. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Lester Young. Leur musique a changé quelque chose dans l'oreille des Américains. Car les Noirs jouent d'un instrument de la même manière qu'ils chantent. La trompette, le trombone, la clarinette chantent comme une voix humaine. La richesse du swing est même souvent utilisée par nos musiciens d'aujourd'hui. Mais je vais te dire ce que je pense vraiment. Le rock'n'roll n'est qu'une caricature du swing. Si mon grand frère t'entendait... En 1940, l'Amérique bien remise de la grande crise de 1929 voit à nouveau éclater la guerre en Europe, la guerre mondiale. Ce grand bouleversement a été le moteur du développement d'une autre forme de la musique de jazz, le bebop. La possibilité de faire des enregistrements, des disques, donne au jazz des chances nouvelles pour se faire connaître. Mais si le jazz évolue sans cesse, le style Nouvelle-Orléans a connu à cette époque une véritable renaissance grâce au grand clarinettiste Milton Mesro, aux trompettes Tommy Lederer, à Sidney Bechet, Louis Armstrong restant le plus grand. Du bebop, le jazz a évolué pour devenir le cool jazz et le free. Il est devenu plus libre avec les orchestres de Jerry Mulligan, Chet Baker et puis Sonny Rollins et John Coltrane. Tout cela est sans doute un peu difficile à retenir, à comprendre. Et je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que le jazz a été la seule expression de tout un peuple. C'est une musique populaire et unique dans notre siècle. Un message de douleur, d'espoir et d'amour qui ne peut laisser personne insensible. On ne pourra jamais oublier Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Fats Waller, Coleman Hawkins, Django Reinhardt, ni tant d'autres. Thank you.
J'espère que ma belle histoire t'a intéressé. Surtout parce qu'elle est vraie. À bientôt. Ne m'oublie pas et danse un peu en pensant à moi quand tu écoutes cette musique.